Ce soir est entré, j'ai pas pu l'éviter. La nuit vient de tomber, mais comment m'échapper? J'suis pas décidé. Bébé, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Fumer des voitures, les cailloux des enfants. Ça va? Je suis bien, ouais, coiffé bien. Aussi, ouais. Alors ce soir, à l'instant plaisir à Martres-Tolosane. Mais justement, c'est un instant plaisir que nous allons partager avec Laurie. Mais ce n'est pas Laurie la chanteuse, c'est Laurie... Laurie Sirgan, native de Martres. Oui. Voilà, j'ai 26 ans et j'ai été élue le 5 juin dernier à Riom, ambassadrice Midi-Pyrénées. Ambassadrice, mais c'est un titre honorifique ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter d'être ambassadrice? Oh, plein de choses déjà. Je participe à plusieurs actions humanitaires. Je suis marraine d'une association pour animaux maltraités ou délaissés. Alors l'association, c'est Les Potes à Pouf à Lannemezan. Les Potes à Pouf? Oui. C'est voilà. Mignon ça? Oui. Et je fais plusieurs manifestations. Un petit peu comme toutes les miss représentatives. Voilà. Tout le monde se les arrache, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est ça. Et alors là, vous allez avoir donc une année consacrée à parader peut-être? C'est ça, une année chez les ambassadrices, à aller à la rencontre de tout le Midi-Pyrénées. Seulement Midi-Pyrénées? Pour ma région, oui. Oui, bien sûr. Après, peut-être si j'ai la chance d'être élue France, je partirai à la rencontre de toute la France. Voilà, parce que vous avez des ambitions. Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. Voilà, parfait. Des études peut-être? Je suis assistante dentaire actuellement. Ça tombe bien parce que je commence à avoir une douleur. Là. En tout cas, je crois qu'on va passer une belle soirée. Et qu'allez-vous faire là pendant cette soirée? Alors, chanter, aussi, non, hein. Chanter, ça sera sous la douche, hein, ça ouais. Va rester. Voilà. C'est un plaisir que d'être à côté de vous. Oui, plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça s'appelle le grand opening. T'es pas prêt, c'est qu'ici, c'est pas ailleurs. La caméra, un mec est derrière qui est caché, je suis bien après. Là-bas sur scène, un mec s'appelle Christopher Bock. Juste du français, du croc, tu vas, tout ce que tu veux, il peut le faire. Après, il y a le spectacle avec monsieur Séguran. Joël Séguran, c'est l'ancien bassiste de Nino Ferrer, tu connais ou pas? On a un mec qui s'appelle ici Dick Hanegarde. Dick Hanegarde, lui, c'était une star des années 80. Et bien sûr, on a des stars cachées au milieu. Et Hélène, des spectacles. Moi, je connais Hélène Ségara. Hélène Ségara, mais c'est celle qui est tombée dans les chutes. Niagara. Oh, celui-là, il est pas bon. C'est jaune, tout simplement, c'est jaune. Ah, mais c'est pas bon. Ah non, elle est pas bonne. Boots on the other side.
On a un mec qui arrive directement du Québec, qui fait Christopher Bock, vous le saviez pas, 5 albums là-bas. Premier sur toutes les bandes son. Je continue ou j'arrête? Ouais, j'arrête. On a des gens qui vont vous faire des petites choses pendant le repas. Il y a des gens qui sont faits. Vous allez voir, ça va pas s'arrêter, c'est toute la soirée. On attend que les derniers arrivent tranquillement. Et on va attendre que tout le monde soit. Et après, on va se régaler toute la soirée. Et on dansera à la fin. Donc prenez le temps de prendre du plaisir. Prenez le temps de vous régaler. Prenez le temps de dire un mot à la caméra. C'est ce qu'elle me dit, Christian. Dis un mot à la caméra, dis un mot à la caméra. Bienvenue. Vous êtes là à l'instant plaisir, qui est devenu l'instant éphémère, qui est là ce soir que pour un instant d'ailleurs, avec des gens d'ici, et surtout, vous n'irez pas ailleurs. Au revoir. Je vous présente Marie-Brittany, ma femme cachée. Non, c'est pas vrai, c'est ma petite sœur. Qui vient là travailler exprès pour aider son frère, parce que c'est difficile. Et voilà, donc elle va nous faire une annonce officielle ce soir, je sais pas ce que c'est, si elle est enceinte, Alors comme ça je fais l'annonce avec tout le monde, je peux t'annoncer que je suis en BTS. Voilà. Oh là là, ouais. Et puis la réponse que j'ai, toi qui m'as poussé à le faire, ben voilà. Et tu fais quoi l'an prochain? Je pars là. Cher public, bonsoir. Parmi un public nombreux, des gens de choix. Monsieur Thévenot, le premier adjoint à la mairie de Marthe-à-Tolosane. Que pensez-vous de l'instant plaisir? Une très belle maison, on y mange bien, on s'amuse bien. Oui. Voilà. Il organise de belles soirées, donc c'était intéressant toujours de venir voir et de participer. Voilà. Et alors juste à côté, nous avons, je crois, un adjoint aussi, mais à la culture, c'est cela? Non, c'est vie associative, voilà, communication, des marches participatives, voilà, monsieur Anglada. Et bien, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Thévenot, ben, on est bien ici, très agréable, on mange bien, il y a des chouettes soirées, donc voilà, l'instant plaisir, c'est ça, exactement. Oui, bien sûr, il s'investit beaucoup, oui, il est là depuis... pas très longtemps, mais voilà, c'est une figure incontournable. Voilà, c'est quelqu'un que je pense que tout le monde connaît pour sa bonne humeur, sa joie de vivre. Et c'était pas facile aujourd'hui parce que je sais qu'il y a dans la région beaucoup de fêtes, de villages. Donc de vous trouver ici, c'est quand même très très sympathique de votre part. Ben avec grand plaisir. C'est Pascal qui a lancé l'idée là de se rejoindre ici. Et c'est voilà avec grand plaisir que je suis venu et voilà, j'espère que la soirée va bien se passer. Alors, vous êtes prêts? En musique, je vous présente Laurie Sirgan. Elle a de la chance parce qu'il y a quelques années de ça, sa sœur le faisait déjà. Elle va vous expliquer aussi. C'est une histoire de famille. Ah, monsieur le maire va dire un petit mot aussi, puisqu'il est là, on va en profiter. C'est un plaisir d'être là, j'avais promis à Jo de passer, même rapidement, voilà, de passer ce soir. Et puis c'est un double plaisir, en plus d'avoir Laurie à côté. Parce que, bon, beaucoup souvent me disent, oui, vous êtes un jeune maire et tout ça, oui, c'est sympa. Mais en fait, le temps passe. Parce que Laurie, je l'ai eue au centre de loisirs, elle avait 3 ans. Enfin, entre 3 et 5 ans, voilà, quand je débutais à travailler au centre de loisirs à Martre. Voilà, elle était toute petite à l'époque. Et voilà. Tu te démènes voilà, pour faire ici, à l'instant plaisir, ce week-end, parce que c'est tout un week-end voilà, que tu fais, et cette première aussi, de faire participer les artistes locaux également. Voilà, le marché, tu me disais hier que ça a bien fonctionné. Et c'est bien, voilà, donc c'est toujours un plaisir. Et nous, voilà, quand on peut accompagner les bonnes initiatives et les initiatives positives, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Ça s'applaudit plus fort encore! Faut faire son deux, faut faire du bruit! D'abord un verre, d'abord du feu. Sais pas quoi faire, suis malheureux. Fais-moi manger, seul toi c'est fait. J'avais pas vu Misa. La 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 la. La 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 la. Où est passé ce chien? Je le cherche partout. Où est passé ce chien? Je le cherchais partout. Où est passé ce chien? Oui, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici?
je ne le répéterai pas. Peu que venir ici, ça le bête pas. Vous voulez une cigarette? Pardon? Ah bah oui, je veux bien. Merci. Vous voulez une cigarette? Ah bah oui, je veux bien. Merci. Non mais sans blague. Ben vous voulez que je continue? Vous n'en voulez pas encore une? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à me crier comme ça dans les oreilles? Non, mais il faut le dire si vous en voulez une sixième. C'est pour vous que je les achète, mes cigarettes, à 15 euros le paquet. Je peux vous garantir que ça vous va bien, ce petit éventail de cigarettes dans la bouche. Eh bien, messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que tout se passe bien? Oui. Oui, tout à fait, monsieur. Alors, vous êtes de Martre? Tout à fait. Commerçant, peut-être? Oui. Non, moi, je suis étudiant, à Toulouse. Ah, oui, alors, c'est madame, alors. Je fais le tour des commerçants pour savoir s'ils sont satisfaits de l'accueil ici à l'Instant Plaisir. Ah, alors, les commerçants, le client est satisfait. Oui, voilà. Le client. Le client est satisfait, oui. Oui. Je trouve très bien. C'est un bon patron, il est très dynamique, rigolo, comme moi, quoi. Voilà. Voilà, il cuisine très bien aussi. Alors là, nous n'en sommes qu'à à l'entrée, mais on va passer à la suite. Hein. Vous savez que la nuit va être longue. Oui. La nuit va être longue, madame. Oui. Vous ne serez pas chez vous avant 3h du matin. Oui, tant pis. On assume. Vous assurez? Parfait. Miss aussi, bien sûr. Miss aussi, elle va assurer. Oui, bien sûr. Je pensais que vous aviez un avion à prendre pour aller à... Oui, moi, je vais devoir partir un peu plus tôt, malheureusement. Mais le cœur, il sera jusqu'à 3h du matin. Attaquez les frites. Et le cuistot au premier plan. Ouais, ça le fait, c'est bien. Il y a toute l'équipe là. Dans l'assiette. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, c'est you are, it's heaven when you find so many petites barquettes encore là, burning morning, morning just for me. Là-bas, il doit rester, non? Oh yeah, she sings love. C'est quoi les petites têtes d'apéro? Just for me. So cigarette par hasard. Si, bien sûr. Peut-être votre voisine, non? Votre voisine peut-être, je pense. Des cigarettes, hein? Mais... Non mais vous savez, moi j'ai arrêté de fumer. Hein? Ah oui, moi oui, aussi. Mais moi aussi en plus. Vous aussi, hein? J'ai arrêté de fumer. C'est bien ce que je pensais. Oui, mais ceci dit, ça fait du bien à la mémoire. Voilà, c'est ça. Je voudrais être noir, je vous dis bonsoir. Encore un petit gâteau? Ils sont délicieux, tu ne trouves pas? Pas délicieux, succulents. En parlant de succulence, comment va ton mari? Heureux, il est heureux. Il a encore perdu 700 grammes la semaine dernière. 700 grammes, un record. 11 kilos 653 en 11 semaines, il a perdu. Tu sais, ça lui va bien. Il est bien mieux. Mm-hmm. C'est quoi son régime déjà? Le régime du docteur Walter King, bien sûr. Bah, pourquoi bien sûr? Parce qu'en ce moment, aussi tout le monde suit le admirable. Régime. Admirable, demande de l'applaudir très fort déjà. Ça fait 25 ans qu'on est à Martre
C'est la ville qui nous a accueillis, qui nous permet de continuer à faire ce que l'on aime, c'est-à-dire du théâtre. Et donc, je vous remercie, je remercie toute l'équipe municipale de Martres. Merci beaucoup, je vous demande de les applaudir aussi. Et bien, dans le rôle de la femme qui aime les hommes de 50 ans, Monique. Les autres aussi, hein. Ensuite, avec celle qui avait oublié de mettre sa robe, c'est Lunja. Deux dames qui ont mangé des petits gâteaux sans arrêt, c'est les nœuds Nathalie, Nathalie et Nathalie. Et bien sûr, Martine. Le culturel comme un joueur, on peut les applaudir encore un peu plus fort. Alors, pour continuer la soirée, on va passer maintenant au spectacle. On vous a amené des cafés, des mignardises, des choses un petit peu sympas. Moi, j'aimerais beaucoup vous remercier à vous parce que vous faites participer les gens autour de vous. Vous avez travaillé pour certains à cette grande table là-bas. J'en connais un monsieur qui s'est battu corps et âme pour avoir une belle table. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, merci aux autres d'être là. Merci à toute la tablée. On a quand même des super commerçants du village. On a le Vival qui est là. Ils peuvent lever les bras. Il y a Karine et son chéri qui sont là. Notre apprenti du tonnerre, allez, Edouard. Ensuite, et tu seras l'alsacien ce soir, j'ai pas envie de dire comment tu s'appelles. Il y a plein d'un côté de moi. Là, ici. Ici, là, c'est toi le premier, t'es presque le plus jeune. Voilà, c'est lui qui a fait à manger. Le cochon que vous avez tant aimé, c'est lui qui l'a fait. Je vous présente une nouvelle recrue, 17 balais. Donc, toute jeune, première salle ce soir, comme on dit, tout inquiète, monte là. Voilà, une fille du village aussi de Martres, tiens. Et toi derrière. Alors c'est une punk, on sait pas comme ça, mais je vous jure c'est une punk. Vas-y, fais la punk. Tiens, sans salle, s'il vous plaît, on peut applaudir. Allez, Marie-Brittany, viens nous voir ici. Marie-Brittany, viens nous voir ici. Voilà, ça, c'est celle qui a eu son BTS, ma chère et tendre sœur, qui a travaillé comme une âne. Qui était encore en mécanique quand même tout à l'heure, hein, parce qu'elle travaille aussi le samedi. Hein. Elle sort du boulot, elle vient nous voir. Elle est en décalez-vous, on vous voit pas. Elle a fait la salle aussi, elle a fait la cuisine, elle a fait la plonge, parce qu'ils font tout un petit peu ici, parce que quand même, on est... elle est au bureau, elle veut pas venir. Maman, ma mère, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. Et vous aviez aussi à la caméra un mec qui est toujours caché derrière, qui a le droit de monter pour une fois, mais monte pas longtemps. Hein. Il s'appelle Christian, lui, il fait nos vidéos depuis, ça fait 12 ans maintenant. Il en a fait presque 400 vidéos. Ouais, hein, mais là... Dickin de Garde qui s'est régalé de vous régaler. Christopher Bob qui s'est régalé de vous régaler. Au revoir Dick, merci. Chris, il reste encore un peu. Et vous? Parce que sans vous, on n'est pas là. Sans eux, on n'est pas là. Sans les groupes, on ne fait pas des scènes en bois pour se faire plaisir. Donc si on ne remplit pas les salles, on ne peut pas remplir les scènes. On ne peut pas les faire vivre à eux qui sont là-bas, qui vont jouer pour vous maintenant. Oh ben non, mais viens avec un peu de motivation quand même. Voilà. On avait en salle la responsable de salle, le bras droit, le bras gauche, la jambe, tout ce que vous voulez. Celle sans qui aujourd'hui je m'en sortirai pas, je pense. Juste pour l'émotion et le plaisir, Céline, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Applaudit bien fort. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend maman ou pas? Ça sert à rien. Elle veut pas se montrer. Ah, bonjour Joël. Donc, je suis Joël Segura. J'étais bassiste avec Nino Ferrer une vingtaine d'années. Voilà pourquoi le spectacle à Martres-Toulousaine à l'instant plaisir. Qui dit Nino Ferrer, cela marque un petit peu les esprits d'une certaine génération, puisqu'il était connu bien sûr pour des chansons notamment, alors l'une bien sûr c'était Mirza, c'est bien cela, voilà. L'accompagner, est-ce que ce fut un délice, est-ce que ce fut difficile, enfin bref, raconte-nous, mais très succinctement. Oui, l'accompagner, ce fut un délice, comme tu dis. Évidemment que ce fut un délice, parce que Nino, c'est quelqu'un qui a du talent, c'est un personnage extrêmement complexe, intelligent, brillant et talentueux. C'est un excellent bassiste, il était bassiste avec Nancy Holloway, Bill Coleman, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver, mais dans les années 80, donc il avait déjà fait une belle carrière. Effectivement, on le connaît pour plein de morceaux, quoi. Allez, Colette, présente-toi. Merci. Eh bien, je m'appelle Colette Lucie Darme, je suis violoncelliste et j'ai rencontré Joël il y a très peu de temps, 2 mois, 3 mois. On a sympathisé, on a échangé sur nos projets et puis voilà, puis on a fait de la musique ensemble. Le personnage de petite taille s'appelle Fred Roux. Je joue de la batterie et un peu de xylophone au sein de cette formation. Et Joël et moi travaillons ensemble depuis une bonne année, si ce n'est pas une bonne année et demie.
Alors parfois il y a un peu de cœur à faire, mais bon, ça reste dans mes prérogatives, dans mes possibilités. Saint-Cyprien dans le Lot, près de Montcuq. Nino habitait Saint-Cyprien, la Taillade. Et donc, je faisais partie de ce groupe où il y avait une chanteuse qui s'appelait Magali Pietri. Peut-être que les gens ici connaissent, parce qu'elle a fait quand même... c'est une excellente chanteuse, elle est géniale. Quoi. Donc, elle avait surtout participé avec Nino sur un album qui s'appelle... c'est un peu important. Elle a fait des chœurs avec lui juste avant... qu'on se rencontre nous, donc, et je voulais vous dire quoi. Donc on répétait, et un jour Nino vient nous voir répéter. Je pense qu'il avait une idée derrière la tête, il voulait absolument changer de musicien, et ça tombait bien, on était là. Donc, il arrive, on fait le bœuf une paire d'heures à peu près, tout. Et là il s'en va, il a l'air content, ce qui s'est passé en tout cas. Et puis je me dis, quand même, toi, Joël, le petit musicien de Cahors, à 20 ans, tu as joué avec Nino Ferrer, c'est dingue. Pour moi, c'était comme un matin de Noël. Quoi qu'il en soit, 5 minutes passent, et là, il revient, et il demande à qui appartient cette 1500 bleue, garée dans la cour devant. Je dis, c'est la mienne, pourquoi? Et là, il me dit avec élégance qu'il m'a juste, en reculant, défoncé l'avant de ma voiture. Paré maman.
et maman t'est touchée. Elle a des trains et des jours sans s'arrêter. Pour préparer les bouteilles, les paquets, les paniers et les rayons.